Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Overla. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Yo, je suis heureux, tout simplement parce que MHD est de retour avec un nouveau son et un nouveau clip auquel nous allons réagir aujourd'hui, qui se nomme Laika. J'espère que je le prononce correctement. Généralement, MHD, il fait de l'afro-trap. Est-ce que ça va être de l'afro-trap ou quelque chose de différent, plus sucré, tu vois, quelque chose vraiment qui colle à l'été? On verra bien, ok? Mais je suis excité. Bon, avant de débuter, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros like parce que ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et bien évidemment, vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien et leur bienveillance. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. C'est un truc d'été, clairement. Tu regardes le clip. Non, 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 on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des sous-titres, là. Ça dérange le visuel. Voilà, voilà. Dès que tu vois la mousse, là, tu sais très bien qu'ils essayent de faire quelque chose de plus sucré pour l'été, en fait. On va pas demander l'heure. On veut l'argent du beurre. Les sentiments, c'est tout à l'heure. La petite veut puiser mon cœur. L'ancien, je sais que t'es un bon. Mais tu coumas un tas. Merci pour les conseils de vie, mais on doit passer à table. Ok, c'est toujours dans l'ADN d'MHD, de l'afro-trap, mais c'est de l'afro-trap plus calme, on va dire. Tu vois, je veux dire, même les adlibs, les... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, hein, on les entend, mais ils ont mis un low pass par-dessus pour pas que ça se... pour pas que ça soit trop... hardcore, tu vois, pour pas que ça attaque en fait tes oreilles, tu vois. Mais si c'était un son beaucoup plus dansant, un petit peu plus bresson afro-trap, je pense pas qu'ils l'auraient fait. Là, tu vois, ils ont essayé de les cacher un petit peu. C'est juste pour qu'ils se mélangent bien en fait avec l'ambiance du son. T'as pas vu la gueule, t'as pas vu les types. C'est nous l'équipe qui vont gâcher la fête. Toujours un paquet, toujours un sachet. La buguée est verte comme les types sur Namek. Toujours dans un quota, toujours un fâché. Nous donnons Kuma si tu donnes le pot caché. Et pour les faire ça, faut qu'il y pas qui l'a mis. J'mène la vie d'un loca et je vais serrer toute la moula. Pour la Yeka, j'suis dans le quartier comme Lika. Lika, tu sais ça, c'est Lika. Ouais, je valide, le refrain est super catchy, man, ça donne envie de danser et tout. Franchement, le clip, je le trouve très bien aussi, je trouve qu'il est créatif avec les différentes façons de filmer, les différents angles par en bas. Ils ont utilisé une technique que j'ai vue la première fois dans un clip, je crois, de Kendrick Lamar, là où tu vois la... Je sais pas, il y a un cercle comme ça au milieu de l'image et tout, tu vois. Non, j'aime bien. Et puis les couleurs, tu vois, le contraste des couleurs, on ressent vraiment le côté été. C'est cool, quoi. C'est vraiment sympa. Dis-moi, on va c'est vraiment pas prise de tête, dis-moi, quoi. Quand tout ça, ça va finir, c'est qui le prochain qui va prendre les commandes? On apprend à reconnaître les bavons. On sait qui est qui. Yo, faut voilà ça, là. Au javon. Je préfère ouf, ouf, ouf. Et j'aime trop... cette basse, alors ça doit être un 808 qu'ils ont un peu EQ'é, tu vois, pour que ça sonne pareil et qu'ils ont pané à gauche et à droite là. Franchement, j'aime beaucoup. Sous la pluie, et plus fort que la fame, je connais mon prime. Et le. Mon moto descend comme ascenseur, c'est des épreuves, c'est pas taille. Je mangeais une putain, ça fait pas de mal.
Ça nous ralentit mais on repart. Sans le périphérique sport pack, je connais des footés qui me doivent des balles. Je mène la vie d'un loca et je visère toute la moula. Que de la peu froide. Eh, dis Mbappé, dis Zidane. J'suis dans le quartier comme Lika. Que de la peu froide. Ouais, c'est un son d'été. Voilà, maintenant, ils ont fait exprès de le balancer tout de suite pour que ça joue partout. Surtout à la plage, tu vois. Yes, ça le fait. Ah, en boîte, let's go. J'aime trop la colorimétrie ici. Le côté verdâtre et tout là. Yo, je kiffe. Et le fait que tout le monde soit en train de danser et tout, en train de s'amuser et tout, franchement, c'est excellent. Donc je valide à 100%. En vrai, je valide à 100% parce que j'ai pas vu, tu sais, de gars cagoulés, j'ai pas vu d'armes à feu, j'ai pas vu de drogue ou quoi. Je valide, tu sais, c'est la bonne humeur, c'est la bonne énergie qu'il faut promouvoir, mais surtout en été. Parce que juste après l'été, hein, on va avoir du Freeze Coleon qui va balancer son album, ok ? Donc ça va sûrement changer d'ambiance complètement. Mais ça, c'était très très stylé. C'est pas un autre afro-trap d'MHD, tu vois, mais c'est une chanson d'été relax. Quelle est votre chanson préférée d'MHD? La mienne, c'est sûrement King Kong. C'est Afro-Trap 8, si je ne me trompe pas, mais c'est vraiment ma chanson préférée d'MHD. Mais celle-là, j'ai vraiment kiffé et je vais la mettre sur mon téléphone parce qu'elle va me mettre de bonne humeur. Je trouve que MHD rappe très bien et que sa voix a un swag, a vraiment un swag qui s'en dégage. Pas forcément lui, genre physiquement, quand tu regardes dans les clips, je trouve pas qu'il dégage beaucoup de charisme ou quoi, mais sa manière de poser son flow et tout, il y a beaucoup de swag dedans et ça j'apprécie. Donc, c'est à votre tour maintenant de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est votre hit de l'été, hein, ou l'un de vos hits de l'été? Merci de m'avoir rejoint. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.